Violence dans les jeux vidéo. Oui, parlons-en de la violence dans les jeux vidéo. En fait, dans les années 80, la violence des jeux vidéo, c'était pas vraiment dans les jeux. Puisque qu'est-ce que vous aviez à l'écran? De la bouillasse de pixels. Bon, il y avait des pixels rouges des fois, ok. Mais il y avait déjà des gens bien pensants qui s'offusquaient en disant « Oh mon Dieu, non, les enfants voient ça, c'est trop horrible !» Alors qu'à l'écran, on avait vraiment, vraiment des sprites de 16 sur 16 pixels maximum qui essayaient d'exprimer, je sais pas, un éclatage de boîte crânienne comme on le voit aujourd'hui dans Doom, en 3D. Franchement, c'est très rigolo. Ceci dit, s'il y a un truc qu'on ne peut pas retirer au bien pensant des années 80 concernant la violence dans les jeux vidéo, c'était bien souvent la partie audio. Puisque oui, aujourd'hui j'aimerais rendre hommage à tous ces parents que nous on a eus et qui ont dû supporter nos jeux pendant des heures et des heures, quitte à parfois subir des traitements pharmaceutiques. Puisque oui, nos jeux, quelque part, étaient vraiment très très moches sur la partie audio. Ah oui, c'était le début, on n'avait pas réellement de circuit spécialisé pour gérer et l'image et le son, les gars. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans Markham. Non, ce n'est pas le Markham Asylum. Mais pourtant, on pourra y aller. Hein. Tu as fini ton morceau, Maurice ? Merci. Bon, comme il est gentil, en plus, il s'efface discrètement, tel le métalleux de base quand il a fini son set. Tous les cheveux sur un ton, éclairés par les projecteurs. C'est magnifique. Mais je m'égare. Markham, on arrive. Alors, on est en 1983. Ça va piquer un petit peu. Je préviens d'avance. Et ça va surtout piquer sur les oreilles, vous allez voir. Enfin non, vous allez entendre. Musique, maestro. Alors, je crois qu'on n'a pas de musique sur la démo, si tant est qu'il y ait une démo. Et vous allez voir que le jeu a l'air quand même bien. Si, il y a de la musique, profitez. Alors, vous pouvez vous moquer. Oui, moquez-vous. En 83, quand même, faire un petit scrolling impeccable comme ça, c'était pas donné à tout le monde. Et en plus, regardez la classe, il était différentiel. Bon, il y a que deux plans, mais l'intention est déjà là. C'est sympa quand même. Parce que j'ai déjà parcouru ce jeu, jamais ou grand jamais. Et je redoute un petit peu quand même. Pas sa violence, mais sa jouabilité, on va dire. Alors, le vaisseau a tendance à s'incliner, ce qui fait incliner les tirs. Ce qui est plus ou moins rigolo, on va dire. Parce que du coup, faut un peu de patience pour se mettre bien en face. QA, c'est pas une hitbox. Attendez, 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 on va re-exploser un coup, parce que je crois que je viens de spotter un truc sur la hitbox du vaisseau du joueur, qui est juste improbable. Je crois que ma hitbox est beaucoup plus grande, en fait, que ce qui est apparent à l'écran. Mais j'ai des missiles, putain! Pourquoi on me dit rien? Pourquoi on me dit rien, bordel? On y retourne, mais avec des missiles, et ça va barder. Alors, je garantis pas que je ferai beaucoup plus de 5 minutes sur ce jeu. Parce que déjà, bah, il est pas terrible, hein, on va dire ce qu'il est. Malgré ses effets de soucoupe qui se fait défoncer la gueule et qui tombe en faisant... Ils ont eu les moyens, ils auraient fait des grandes gerbes de flammes. Putain, celui-là, il est incroyable. Ah, je me casse, il est incroyable. Et le gars va me poursuivre jusqu'à l'éternité, au fin fond du fion du tableau. Ah, je veux pas, c'est bien ça, il me poursuit. Il manquait un coup dans le buffet. Et dis donc, Maurice, comment t'as fait pour apparaître à droite alors que t'étais derrière moi? C'est pas un peu cheaté, ça? Aïe, ça va pas trop bien se passer, je pense. Alors, le jeu est rudement jouable, mine de rien, je m'attendais à quelque chose de vachement pire. Et en fait, si on s'habitue à ce tir qui s'oriente avec les directions dès qu'on en change, bah, y a moyen de s'en sortir à peu près correctement. Il faut assimiler le truc, et c'est pas évident parce que souvent, voilà, là je peux plus tirer en face, quoi. J'ai fait croire que c'était des bonus, mais on est en 83, faut pas trop que je rêve. Aïe, Ayuto, je me casse courageusement comme je le fais tout le temps. Ah, faut pas rester à côté de... Game over. Je fais mes 5 minutes. 5 minutes 14. C'est génial, je rentre mes initiales.
Est-ce que Markham est sélectionné? Bonne question. Alors ça, c'est vous qui déciderez. Moi, j'aurais tendance à le placer à la malle au grenier parce que c'est pas un jeu qui donne envie d'y revenir. Ceci dit, il y avait une jolie performance pour 83 et le jeu est relativement correct. Donc si vous voulez vous le mettre dans vos petites sélections vintage, why not? Sur ce, je vous laisse avec vos playlists habituelles et le bouton abonnement. À tout bientôt, les amis. Dans un jeu plus récent, j'espère.